Brigitte Macron est très investie dans l'opération pièce jaune et pour ce faire cette année elle a mis les petits plats dans les grands. En effet, lors de ce gala toute la scène internationale était présente. La première dame a pu compter sur la présence de Pharrell Williams, Camug, Nicki Doll, Lazara, qui représentent la France lors de l'Eurovision et les très attendus Blackpink. Plus de 4000 personnes ont pris un billet à 15 € pour voir ce show exceptionnel. Les quatre jeunes femmes du groupe de K-pop qui ont conquis le public, et il semblerait qu'Emmanuel Macron était curieux de voir les performances de ces artistes en live. En effet, ce mercredi 25 janvier était enregistré le gala des pièces jaunes qui sera diffusé ce samedi 28 janvier à 20h40 sur France 2. Et lors de cet événement, le président de la République est venu soutenir sa femme. Comme le rapporte Le Parisien, Emmanuel Macron était détendu et installé à la gauche de Didier Deschamps. Accompagné des filles de Brigitte Macron, Laurence et Tiffaine, ainsi que leurs enfants, le couple a profité avec tendresse du spectacle. Sur la vidéo d'un compte fan des Blackpink, on peut apercevoir la famille au grand complet avec Didier Deschamps profitant de la musique des Sud-Coréennes. Supérieur à Brigitte Macron et Bernadette Chirac, toutes ces fois où elles se sont accordées, c'est Emmanuel Macron photographe des Blackpink lors de ce gala, c'est l'artiste international Pharrell Williams qui en a profité pour rencontrer le président et discuter avec lui de la sécurité des jeunes dans l'univers numérique. Et après le concert, Emmanuel Macron n'a pas hésité à se prêter au jeu des photos et à prendre lui-même un cliché de groupe avec les quatre membres des Blackpink et Pharrell Williams. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, JBO Tissier Panoramique.